d'abord choisi le piano parce que quand j'étais plus petite, je connaissais pas le jazz. Et le piano, petit à petit, c'est devenu une évidence pour moi. J'ai essayé d'autres instruments, mais il y a vraiment une attirance physique par rapport à l'instrument qui fait qu'on y va spontanément en tant que gosse. Et le jazz est venu après, hein, donc je faisais déjà des études de musique classique. Et j'étais attirée par cette musique, mais par sa sonorité, par l'improvisation, l'aspect rythmique et aussi fort l'aspect harmonique. Et voilà, je me suis inscrite à un cours de jazz qui se donnait à l'époque à Liège, au conservatoire où moi j'étais élève en classique. Et un peu par curiosité, quoi. Et petit à petit, j'ai accroché à cette musique. Vous aviez déjà écouté des concerts de jazz auparavant ? Pas énormément. Je connaissais pas très bien le jazz. J'avais entendu Steve Huben. C'était, disons, le seul musicien de jazz moderne que j'avais entendu parce que là, je connaissais que vraiment du New Orleans, enfin du Dixieland, comme on l'appelle. Donc, c'était une musique qui était très loin de moi. Je ne la connaissais pas, quoi. La musique de jazz est beaucoup plus improvisée, basée sur l'improvisation. Puis il y a le côté rythmique aussi, qui est quand même fort différent de ce qu'on peut trouver en musique classique. Mais je crois qu'artistiquement, la démarche est différente parce que le musicien doit improviser. Dans certains cas, il peut composer aussi une composition qui va servir de prétexte à l'improvisation. Mais c'est une démarche un peu plus créatrice que musicien classique, qui est en général, sauf si on devient compositeur de musique classique. Mais si on est interprète, c'est une attitude tout à fait différente artistiquement. Disons que lorsque vous êtes sur scène, en fait, vous improvisez pratiquement tout le temps. Eh bien, disons que sur un morceau de 10 minutes, le thème va prendre une minute. On va improviser 8 minutes et on rejoue le thème à la fin. Un thème d'une minute et tout le reste. Oui, ben plus ou moins, je schématise. Donc ça change tout le temps, en fait. Vous n'avez jamais deux versions identiques. Non. Mais il y a quand même des balises, hein. Il y a des structures et des formes dans lesquelles... Oui. Il peut aussi ne pas y en avoir, enfin, c'est très variable. Forcément, comme il y a une vingtaine de personnes, est plus écrite. Donc les parties improvisées sont beaucoup plus canalisées. Le piano trio, par exemple, ça c'est une formule qui donne beaucoup plus de liberté, quoi. Donc il y a vraiment des formules très différentes. Et des musiques aussi très différentes, des musiciens très différents. Il y a des gens qui travaillent plus l'improvisation complètement ouverte et d'autres des improvisations. C'est comme si je vous disais, voilà, vous improvisez. C'est une image un peu ridicule peut-être, mais vous improvisez en prose ou vous improvisez en faisant des rimes. C'est pas du tout la même chose. Oui. Donc en fait, vous composez votre musique. Ouais. Vous jouez évidemment des thèmes d'autres compositeurs, enfin d'autres jazzmen. Ça m'arrive, oui. Et donc si vous deviez qualifier votre jazz. Mais j'essaie que ça soit. Que ça reste malgré tout mélodique, harmonique et lyrique. J'essaye d'y mettre une partie de poésie, mais la poésie, évidemment, c'est très subjectif. Ça peut avoir plusieurs qualificatifs aussi. Ce n'est pas, en tout cas, hystérique, ce n'est pas électrique. C'est de la musique acoustique. C'est plutôt un jazz calme et serein. Oui, mais il peut y avoir pas mal d'énergie aussi dedans. Ça dépend des pièces. Et ça dépend aussi des projets dans lesquels je joue.
Parce que j'ai des projets qui sont plus jazz dans le sens swing, et puis des projets qui sont plus world, dans... et alors les rythmiques sont un peu différentes. Alors donc, Karim, il joue du oud, qui est en fait l'ancêtre du luth, qui est tout de même un instrument très baroque, en tout cas utilisé dans la musique baroque. Ouais. Alors pourquoi justement le choix du oud? Qu'est-ce qui vous a amené à faire cette rencontre? Mais moi j'avais entendu des disques de Anouar Brahem, qui est un joueur de oud tunisien qui joue, qui a fait des disques sur ECM et qui sont magnifiques, et dans le, sur lesquels il y a des musiciens de jazz, mais c'est sa musique à lui, hein, donc c'est encore, c'est vraiment traditionnel, enfin, il y a une grosse empreinte traditionnelle dans sa musique, dans ses compositions. Mais il utilise des jazzmen dans ses groupes, je trouvais ça intéressant. Il y a eu aussi Garbarek, Yann Garbarek qui a joué avec lui. Et c'est très fort, c'est magnifique, quoi. Et je pensais que le mariage des deux instruments serait un chouette défi à faire. Et puis on s'est lancé dans l'aventure et puis ça a marché, quoi. J'ai des jazzmen qui vivent beaucoup plus la nuit. Est-ce que c'est encore le cas? Certains, oui. Mais je crois que l'image du jazzmen a quand même un peu changé, parce que le jazz aussi, c'est une musique qui, jadis, peut-être ne se jouait que dans des clubs. Mm-hmm. Et petit à petit, ça a pris sa place dans les centres culturels où il y a eu des festivals. Donc c'est un peu différent de cette image qu'on a du club en fumée. Oui, c'est ça. Voilà. Mais ça existe toujours. Hein. Oui. Mais vous n'êtes pas vraiment dans ce cercle-là. Mais si, je peux y être aussi. Enfin, par exemple, en Belgique, des clubs, il n'y en a pas des masses. Donc on y joue une ou deux fois, ou trois fois, ou peut-être un peu plus par an. Donc on peut très bien passer un jour jouer dans un grand festival et puis le lendemain en club. Ça dépend aussi des projets que vous faites. Il y a des projets musicaux. Par exemple, le dernier projet que j'ai, qui est un peu plus world, je crois pas que c'est une musique qui fonctionnera bien en club. Alors là, ici en Belgique, est-ce qu'il y a un soutien justement pour les jazzmen? Ben, je vais vous dire oui, mais il est nettement insuffisant, c'est ridicule. Et je ne pense pas que ça soit au niveau du jazz. Enfin, le milieu classique, je ne connais pas assez. Mais bon, on voit souvent à la télévision, enfin, je veux dire, même les réalisateurs de films, c'est... Tout le monde dit chouette le cinéma belge, mais je crois qu'il rame. Alors le jazz, n'en parlons pas, je veux dire, c'est vraiment donc en marche. Donc ça suit la même mouvance. Bien pourtant sûr. Le jazz semble être beaucoup plus populaire, donc quand même peut-être plus proche du grand public. Mais je suis pas sûre. Mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une super énergie, qui font des festivals, et il y a des espèces de fous comme ça qui montent des choses, des clubs, des festivals, des concerts... ou des labels, mais ils tiennent pas longtemps, quoi, parce qu'ils ont une grande motivation, et puis à un moment donné, il n'y a pas de sous.
pas de sous qui viennent derrière. Et il y a une politique en Belgique, je vais être peut-être un peu dure, et ça n'empêche pas que je ne veux pas être ingrate parce que j'ai eu des aides comme ça. Mais c'est insuffisant pour mener vraiment une vie d'artiste, quoi. Ça, c'est clair. Et les gens qui organisent des concerts et tout ça, ils rament. Et puis, cette politique de dire, oh, ben, de toute façon, ils se débrouillent bien quand même sans nos subsides. Voilà, ils survivent. Et ben voilà, on laisse comme ça. Ou on donne un petit peu pour déculpabiliser. Mais alors en Belgique, il y a tout de même apparemment beaucoup de possibilités de donner des concerts. Oui et non, parce que si on compare au nombre de musiciens qu'il y a au mètre carré, enfin, au kilomètre carré, je sais pas, ça reste quand même très relatif. Hein. Je ne serais pas très optimiste. Évidemment, les musiciens vont toujours jouer. Tant pis, on va les jouer pour rien. Alors on voit des choses qui se passent. Ça brade le métier. Le public évidemment. Ne le sait pas, c'est pas ce qui se passe derrière. Et on se dit, vaut mieux jouer, vaut mieux qu'on parle de vous, qu'on ne vous voit pas. Mais la réalité financière derrière ça, c'est quand même assez médiocre. Justement, est-ce que les médias soutiennent le jazz, par exemple en Belgique, ou en règle générale? C'est-à-dire les médias spécialisés, oui. Mais les médias tout public, de moins en moins. J'ai l'impression que tout se met dans des cases de plus en plus. Enfin, moi, je ne suis pas vieille, hein, mais au début de ma carrière, je veux dire, je sais que le premier disque que j'ai fait, j'ai été dans des émissions tout public, où je passais entre une recette de crêpes au chocolat et... Je sais pas, moi, vraiment des trucs comme ça. J'ai même eu un article dans Spirou pour dire... C'est ridicule, mais non, ça touche un plus large public. Et justement, vous qui êtes professeur au Conservatoire Royal de Bruxelles, ouais. Section néerlandophone, ouais. Vous avez donc de nombreux élèves. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller pour l'avenir? D'être le plus polyvalent possible. Et c'est vrai, c'est pas facile parce qu'en même temps, artistiquement, je voudrais leur dire, fais ton truc. Et s'ils font que leur truc à eux, s'ils ont vraiment une personnalité artistique forte, c'est peut-être eux qui auront le plus difficile. C'est les gens les plus polyvalents qui vont faire un peu de ça, un peu de cabaret, un peu de théâtre, un peu d'écriture de chansons, de publicité. Enfin, qui arrive à toucher à tout. Oui, ou de rock, ou n'importe. Ceux-là, ils s'en sortent mieux, évidemment. Super, hein? Bravo. Est-ce que c'est ton morceau? Ouais. Est-ce que tu as des remarques à faire déjà sur cette interprétation ou... Ben, je me demande s'il ne serait pas mieux que tu commences en faisant juste la fondamentale. Peut-être ça en avait, c'est peut-être mieux, je crois. Peut-être de doubler? Ouais, peut-être doubler juste à la deuxième fois. Ouais. Sinon, je n'ai pas particulièrement d'impression. Mais... Mais c'est bien, mais vous l'avez déjà travaillé ensemble. Ouais, quoi. Ouais. Vous connaissez bien. Ça commence à aller, ouais. Moi, j'ai des toutes petites remarques à faire, mais c'est minime. Je me demandais, mais évidemment, je suis mal mise ici parce que je suis vraiment à côté de la cymbale, mais dans le solo de contrebasse, moi, j'ai un peu perdu à un moment donné le son, quoi, parce que ça a été... Ça prend pas mal de place et ça mange pas mal d'harmonique. Alors, c'est bien, tu fais de l'interaction musicalement, c'est bien, il faut essayer de vraiment être... réduit pour qu'on entende toujours tout très bien, quoi. Ouais, ouais. Il faut essayer, je sais que de toute façon, il est plus fort que vous, mais qu'importe, et même si vous étiez amplifié, il faut toujours essayer d'avoir une balance naturelle, que l'amplification ne soit qu'un support, quoi. Ouais. Et alors, l'autre marque que je pourrais faire, c'est vrai que maintenant, ces deux-là,
ils sont autour de toi dans ton solo. Tu vois, et c'est super, hein, tu fais des super phrases et tout, mais tu pourrais prendre un peu d'énergie parce que lui, il fait pas mal de trucs derrière toi, il réagit, il te suit un peu. Et tu pourrais parfois prendre des éléments à lui, donc rester attentive à ce qui se passe. Parce que tu vois, tu peux le rejoindre rythmiquement et alors ça donne ça fait un peu des paliers d'énergie dans le groupe et ça peut être intéressant. Mm-hmm. Et on joue différemment quand on écoute plus le groupe en fait. Ouais. Tu vois? Imaginez que tous les élèves qui rentrent au conservatoire, ils sont sûrs de leur choix. Il y a beaucoup de périodes de doute et ils ne sont pas sûrs qu'ils veulent prendre cette direction, mais ils prennent ça parce qu'ils aiment bien ou parce qu'ils ne veulent pas faire du classique. Et il y en a beaucoup qui ne connaissent même pas le jazz, en fait, qui ne connaissent pas cette musique et qu'il faut leur apprendre à aimer. D'autres, évidemment, ils ont ça dès le départ, on sent qu'ils ont la fibre et là, c'est beaucoup plus facile, quoi. C'est intéressant parce qu'il faut expliquer les choses et pas seulement d'un point de vue matériel, mais aussi d'un point de vue émotif. Et donc on rentre dans des choses parfois très personnelles qu'on doit essayer de faire découvrir aux élèves. Et parfois c'est presque, je vais aller un peu loin, mais c'est presque thérapeutique, quoi, parce qu'on sent les blocages qu'il y a chez des gens. Parce que la position d'un artiste, quand même, être étudiant en musique, je crois que c'est très différent d'être étudiant en sciences ou en économie. Parce qu'il y a une part d'émotion qui est là dans le présent et qui est très difficile à gérer. D'ailleurs, on le voit bien, hein, je veux dire, on sait que Brel allait dans les toilettes avant d'aller sur scène parce que c'était trop fort, quoi, je veux dire. Et même avec l'expérience qu'il a eue, c'est resté comme ça. Alors on peut imaginer qu'un petit jeune de 18 ans qui arrive au conservatoire, il y a une charge comme ça, et de se mettre devant un public et de jouer, c'est dur, quoi, c'est vraiment dur, c'est très dur. Ok. Et tu te remarques que je peux faire. C'est pas évident parce que peut-être le son est sec. Je sais pas comment tu ressens ça ici de jouer. Est-ce que ça te paraît sec ou pas vraiment, ça, non. T'es pas mal à l'aise quoi, non, par rapport non. à ça. Parce que j'ai l'impression que tu joues beaucoup en suspension comme ça, tu vois. Donc plutôt, va plutôt dans. Enfin, c'est une question vraiment s'asseoir. Et ouais. Parce qu'il y a des beaux accords et tout ça. Et parfois tu les quittes comme si tu te brûlais quoi, tu vois. Mais même si tu fais un effet rythmique qui fait pap, mais sois plus. Enfin, c'est aussi en le voyant, hein, tu vois, c'est comme si tu n'étais pas en équilibre, quoi. Et alors, du coup, tu peux tirer un peu plus de son de l'instrument. Ouais. Mais c'est aussi pour se sentir au milieu, quoi, tu vois. Ouais. Parce que quand les accords comme ça, c'est pas. Oui, c'est pas évident, mais en même temps, tu peux utiliser ça pour porter le groupe. Si tu. Parfois, laisser sonner. Parce que j'ai l'impression que maintenant, tout sonne. Les sons ne durent pas. Jouer sur la durée aussi du son, enfin, comme ce que tu fais, hein, mais en plus, ça peut. Si un musicien classique veut passer au jazz, sans avoir vraiment été formé, mais avec toute sa formation classique derrière lui, est-ce que c'est facile? Non, c'est le plus difficile, moi je pense. Parce que le musicien classique, quelqu'un qui joue déjà bien l'instrument, va devoir apprendre un autre langage, mais avec l'instrument qu'il connaît bien. Et ça va le frustrer, parce qu'il ne connaîtra pas du tout ce langage. C'est un phrasé différent, c'est une approche harmonique différente et tout ça. Et c'est peut-être même une écoute différente. Et, enfin, moi, je vous dis ça parce que j'ai eu pas mal d'élèves qui étaient même des diplômes supérieurs en classique. Oui. Et c'est pas évident, quoi. Je fais parfois la comparaison avec, imaginons, un acteur
de haut niveau, de langue française, qu'on demanderait de jouer dans un film en anglais alors qu'il n'a jamais parlé un mot d'anglais. C'est à ce point différent, alors. Enfin, c'est relatif, hein, mais ouais. c'est quand même fort différent, oui. Et puis, c'est vrai que le musicien classique est habitué à la sécurité, entre guillemets, de la partition. C'est vrai. Et alors, il se retrouve sans partition. Et... C'est une vraie formation, hein, que ouais. On ne suit pas forcément. Non plus. Oui, c'est pas facile, je crois. Ce qui pourrait être intéressant pour l'avenir, comme vous êtes frères et sœurs, mais parfois de pratiquer ensemble ou de prendre des éléments rythmiques, parce que parfois il fait des petits machins, comme ça, même dans le solo de basse, il fait un petit pattern, et de se dire comment je pourrais traduire ça à l'instrument, tu vois, avec les voicings que tu connais, tu vois, tu adaptes ça aux mains, pour essayer un peu. Enfin, John Taylor, il fait ça beaucoup, et ça c'est chouette, c'est ça. Parce que ça donne aussi de la fraîcheur, enfin, les beaux voicings qui sont là tout le temps, c'est bien aussi, mais parfois d'installer un groove aussi. Enfin, moi, quand je joue parfois en trio, je me dis, maintenant, je vais vraiment mettre ma tête dans la section rythmique, quoi, tu vois. Et du coup, on joue différemment. On ne dit pas, tiens, voilà ma grille, si bémol, je vais faire ça, et puis je vais faire ça et tout ça. Bien sûr, il y a l'énergie générale du groupe, hein. Ça c'est déjà très, très bien, quoi. Mais tu peux prendre des idées de bassiste ou souligner, ou si elle fait une phrase, parfois, et ça donne parfois. Et le type qui écoute, il dit ah, chouette, parce qu'il y a des petites interactions mélodiques ou rythmiques. Ouais. Il y a une évolution dans l'histoire du jazz, mais évidemment, l'histoire du jazz se réduit à un siècle, plus ou moins. Donc, c'est vrai que on pourrait dire que l'époque bebop pourrait se rapprocher les musiciens importants de l'époque bebop comme Charlie Parker et tout ça sont un peu les Jean-Sébastien Bach. Je veux dire, c'était vraiment une époque où, à partir de laquelle tout le jazz d'aujourd'hui et tout ce qui est venu après se base. Aujourd'hui, on est toujours influencé par ce langage-là. Je dirais que c'est la base de notre langage. Mais les contextes... Si on regarde, par exemple, Miles Davis, c'est vraiment un musicien qui a parcouru presque toute l'histoire du jazz. Si on l'écoute quand il avait 25 ans et quand il avait 70 ans, et voir tout ce qu'il a fait... Il a évolué énormément. Il a évolué et en même temps, il reste toujours lui-même. Donc il a fait... Lui, il joue toujours pareil, il a toujours le même son, mais il a changé les contextes. Les instruments aussi. L'électronique et tout ça, le jazz fusion. Et puis, c'est entouré de musiciens aussi très différents qui ont fait évoluer sa musique. Donc, c'est un peu ça, le jazz. Hein. C'est de faire des rencontres et ça donne d'autres sonorités. Pourtant, on reste toujours jazzman au fond. Enfin, moi, mon langage vient de ces années-là, de ces années 40, 50. Alors, comment sont les rapports entre les jazzmen ? En Belgique, ils sont assez sympathiques. On a une espèce de petite famille comme ça. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des gens qui sont un peu plus difficiles, mais en général, ça se passe assez bien. Donc plutôt un esprit d'équipe ? Oui, quand même, oui. Parce qu'on peut remarquer que dans d'autres musiques, comme le classique, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de rivalité. Oui, oui, oui. Et parfois, des ambiances un peu tendues tout de même, alors. Oui, c'est vrai, mais... Non, je pense pas que dans le jazz, en tout cas en Belgique, je pense pas que ce soit comme ça. Même, enfin, il m'est arrivé d'aller jouer dans d'autres pays ou quoi. À Paris, c'est un peu comme ça, mais je pense... C'est vrai, plus de rivalité à Paris entre les jazzmen. Oui, mais c'est peut-être parce que la vie est plus difficile aussi. Je sais, c'est difficile à dire, parce qu'on pourrait dire qu'à New York, c'est comme ça, la vie est très difficile. Mais en même temps, je crois que les vrais musiciens de jazz, dans l'âme, ben, ils sont intéressés d'écouter ce que les autres font, puisqu'on se nourrit de tout ce qui se passe. Quoi. Donc, Et pour vous, comment se passe le choix justement de vos partenaires musicaux en concert ? Mais par rapport à leur personnalité, oui. Par rapport à la musique que j'ai envie de faire, je me dis, tiens, celui-là, il pourrait fonctionner là-dedans. Mais par rapport à leur personnalité musicale et humaine aussi, de plus en plus. Parce que je n'ai plus envie de m'entourer d'emmerdeurs. Ça vous est arrivé ? Ah oh oui, il y a des emmerdeurs dans le métier, ben oui.
Pour vous, qu'est-ce que le jazz représente? Mais c'est presque... philosophiquement, ça prend une place importante. Ce n'est pas seulement au niveau de la musique, je pense. Je vous ai dit le rapport dans le présent qui est tellement important puisqu'on fait de l'improvisation. Donc, ça sera comme ça aujourd'hui et demain. Ça sera, évidemment, c'est la même personne qui joue le même morceau, mais ça sera légèrement différent. Ce qui fait qu'il y a un rapport au présent qu'il n'y a pas, je pense, dans d'autres formes d'art. Je pense que le peintre ou le sculpteur, évidemment, il y a un rapport au présent, mais qui est très différent. Nous, on a un rapport au présent aussi avec le public et avec nous-mêmes, qui est très différent de la musique classique aussi, ou de la musique de variété ou de rock. Et je pense qu'à la longue, ça déteint sur notre façon d'être aussi dans la vie.